La compagnie Tamerantong est en tournée dans les Hautes-Alpes avec un nouveau spectacle. L'originalité de cette compagnie, c'est qu'elle travaille depuis des années avec des enfants des quartiers sensibles de Mantes-la-Jolie et de Belleville. La pièce qu'elle représente est le fruit de ce travail, son titre Ali Baba, les chefs du rail. Henri Serin, Ariane Masseglia. Ali Baba et les chefs du rail sont en tournée, une vraie tournée avec de vrais coups de pompe. La vie d'artiste n'est pas de tout repos. 12 heures de train de nuit pour relier Mantes-la-Jolie à Briançon et passer du décor de la banlieue parisienne à celui des Alpes du Sud. Là. Je suis en Italie, derrière les montagnes. Venez, on y va ce soir. Chiche. Oui, oui, oui. Parle tout de suite. T'as pas le trac? Non, ça va. Ça a bien se passer? Oui. On a déjà fait beaucoup de spectacles quand même. Yahouya, au royaume très très ensoleillé du sultan Sidi Hbibi, le rail est interdit et ses adeptes, les chefs du rail, ont leur tête mise à prix. Par une belle nuit étoilée, Ali Baba découvre leur repère. Dans l'aventure, Ali Baba tombera même amoureux. Et en troquant les 40 voleurs contre des adeptes du rail, du haut de leurs 6-12 ans, ces jeunes comédiens nous racontent un pays, à la fois proche et lointain, où l'amour et la musique finiront bien un jour par l'emporter. Après Paris, Mantes-la-Jolie et Briançon, aux prochaines vacances de printemps, les 20 titis parisiens traverseront la Méditerranée, direction Tunis, où ils clôtureront leur tournée. Les représentations uniques de ce spectacle ce soir à 20h30 au Centre culturel de Briançon.